La porte de l'enfer représente la source du pouvoir de Mundus. On ne peut l'atteindre que depuis sa chambre. Vous devez y pénétrer et condamner la porte. Mundus est encore affaibli par sa dernière colère. C'est l'occasion ou jamais. Mundus ne sait pas que Virgile est un Néphilim. Ça va jouer en notre faveur. La tour a une porte de service, située ici. Virgile, tu dois atteindre la salle de la sécurité sans te faire voir. Dante, tu vas devoir faire diversion, ici. Hé, les gars! Vous voulez vous battre? Je suis là! Tu tiens de ton père, toi. Stupide et arrogant comme pas deux. Moi, un dieu. Contre toi, une pauvre merde. Lorsque Mundus te verra, il déchaînera tous les feux de l'enfer. Reste près de l'entrée de la tour. Dante, occupe-les pendant que Virgile s'introduit dans la tour. Dante, tu dois atteindre l'entrée principale avant qu'elle se ferme. Tu auras que quelques secondes. À l'intérieur, tu devras affronter le garde d'élite de Mundus. Élimine-le en vitesse. C'est parti! Virgile va désactiver le système interne de caméra. Mundus ne pourra plus voir où tu es. Approche, Dante. Si tu l'oses, je t'attends. Les bureaux sont très bien défendus. La seule exception,
c'est l'étage 87 qui est vide. C'est là que tu retrouveras Vergil. Ça va, mon frère? Ouais, ça va. Vous vous séparerez ici. Dante, tu te dirigeras vers l'aile est. Toi, Vergil, vers l'aile ouest, là où se trouve la salle du serveur principal. Bonne chance. Toi aussi. Dante, tu vas devoir emprunter une passerelle pour rejoindre l'aile est. Tu la trouveras sur ce chemin. Vergil prendra le contrôle des serveurs dans l'aile ouest et t'ouvrira le chemin. Renforcé à cet endroit. Alors surtout, n'essaye pas de traverser tout de suite. Bingo. Une fois la voie libre, rejoins l'aile est. Sois prudent. Ces étages sont occupés. Étage 87. C'est le département finance. Ceux qui travaillent là ne sont quasiment plus humains. Ils ont été corrompus jusqu'à l'extrême. Un jour, l'humanité tout entière sera soumise à Mundus, tous. Tout comme eux. Alors c'est ça l'enfer du boulot. Déjà. 105e étage, passerelle. C'est ça. 105e étage. Va au 106e étage. Quoi que tu fasses, surtout ne t'arrête pas au 105e. Il brûle des nuits. Oh, oh merde! Je peux plus reculer maintenant. Merde! Yeah!
Les démons doivent savoir que tu es dans l'aile est à présent. C'est le moment de bouger. Dépêche, Vergil. Ça vient, Dante. Vergil, fais juste attention à ne pas déclencher l'alarme piratage. Bingo. Bingo. Pas bingo. Ah, bordel de merde. Vergil, tu ne dois pas te laisser entraîner dans les limbes. Sinon, tu ne pourras plus pirater les serveurs. Si tu es détecté, c'est fini. Je peux y arriver. Principal. Vergil. Ici, tu retrouveras Vergil. On avait sous-estimé Kat. Pas moi. Tu t'es attaché à elle. Tu défends notre cause. Au début, t'en avais rien à cirer. Prends l'ascenseur jusqu'à l'étage 154. Tiens, Dante, prends ça. C'est quoi ? Je l'ai prise sur un agent de sécurité. Il l'avait camouflée, mais c'est une arme démoniaque. Très puissante dans les limbes. Merci. Vergil, tu frayeras un chemin jusqu'à la chambre de Mundus dans le monde réel. Dante, il n'y a pas d'accès depuis les limbes. Tu devras passer par l'aile ouest. Trouve la passerelle de l'aile ouest.
va être la folie ici. Maintenant, t'as 5 étages infernaux à gravir. J'espère que tu vas t'en sortir. Ça va pas être facile. T'avais raison. C'est l'enfer ici. La chambre de Mundus est tout en haut du cœur. Tu retrouveras Virgile quand tu seras là-bas. Sois prudent, les âmes des damnés passent. Ne te laisse pas emporter par les courants, quoi qu'il advienne. Bon courage, Dante. Maintenant, tu ne peux plus compter que sur toi-même.
réussi. On fait une bonne équipe. Mais je suis le plus fort. Je suis le plus malin. Je suis le plus beau. Mundus se trouve là, derrière. Ne le faisons pas attendre. Et c'est moi qui le plus gros. Qu'est-ce qui se passe? Comme Kat l'avait dit. Qu'est-ce qu'on doit faire ici déjà? Démarre les générateurs de secours dans les lames pour surcharger le système, que je puisse pirater les algorithmes de cryptage quantique. Parfait. Mais, tu peux répéter depuis le début? Bon. Démarre les générateurs. Il y en a quatre, hein? C'est ça. Un dans chaque tunnel. On se met au travail. Et un générateur de lancer. Bien. Je vais rebooter ce serveur. Maintenant, aligne les conduits sur le serveur correspondant.
ligne, Virgile. Bien, reprends ton cours. Il faut que j'aligne. Ouais. On met en route les autres générateurs. C'est comme tu veux. Et encore un autre. Des problèmes ? Non. J'alignerai plus tard. Terminé. Bon. On y est. Ok, écoute bien. Pour ouvrir ce truc, tu vas devoir aligner les quatre conduits sur les serveurs correspondants. C'est compris ? Aligner les quatre. Compris. Où t'as appris à faire ça ? C'est machin d'ordinateur. Ça me donnait un sentiment de maîtrise. La maîtrise ? Un truc qu'on n'a jamais connu, hein. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Moi aussi. C'est comme une brûlure à l'intérieur. Exactement. Mais je savais qu'en faisant tomber un à un tous les masques, la vérité finirait par percer. Tu es des démons et des...
informatique, c'est bien aussi, hein. Encore deux. On est bon. Tu sais ce que tu dois faire. Tu fais diversion. Je ferme la porte avec Yamato. Et on l'achève. Et comment je suis censé m'y prendre? On a tué son enfant à naître. Fais-le enrager. Ça marche. Tente. N'essaie pas de le tuer, compris? Il est immortel tant que la porte reste ouverte. Pigé. C'est l'heure de vérité. Il va falloir que chacun s'en remette à l'autre complètement, sans aucune hésitation. Vergil, on est frères. On a le même sang.